Et salut tout le monde les amis, c'est PleurGamer, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 152 de notre aventure sur Zelda TOTK. C'est parti les gars, 152ème épisode, aujourd'hui nous allons faire, et je pense une seule quête, honnêtement, on va faire le trésor de Lambda, les héroïnes. Donc avant toute chose, si la vidéo vous plaît à la fin, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, et à mettre un petit commentaire, ça soutiendra énormément la vidéo de la chaîne, je compte sur vous, merci à tous ceux qui le feront. Bref, nous sommes partis les gars, donc aujourd'hui on va faire ça parce que... En fait, c'est une quête, et le truc, c'est que vous allez voir, hein, vous allez comprendre, c'est qu'on va s'y attarder. Je pense que ça va être un peu du même délire. Du coup, trois miroirs, ça va être un peu du même délire que l'EP précédent. Donc, à savoir, choper trois morceaux de tenue, voilà, ça va être un peu de ça. Vu que c'est encore un trésor de lambda, hein, vous connaissez. Ça ne va être que de ça, donc du coup, voilà. Donc, du coup, on va devoir partir à sa recherche. Donc du coup, je vous retrouve ici le matin. Est-ce que ça passe? Je vais peut-être mettre midi en vrai. Hein. Peut-être mettre midi pour être sûr. Mais du coup, voilà, du coup, je vous retrouve ici parce que la quête de Lambda nous dit d'aller là. Hein. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre des miroirs, déjà, pour commencer. Voilà, on en a un. Alors, je sais pas si un seul, ça suffit ou pas. J'ai jamais testé, hein, je vous avoue. Ouais, a priori, un seul, ça marche. Hop. Voilà. Donc là, direct, ça passe. Bien évidemment, les gars, il faut que vous soyez à midi, hein, comme je viens de le faire. Midi, ça passe très bien. Donc voilà. Soyez à midi. Comme ça, c'est carré. Et comme ça, c'est bon. Donc, ensuite, on arrive là. Et du coup, une nouvelle grotte, une fois de plus. Donc on n'oublie pas, on va taper, bien évidemment, les Lusis. Bien sûr, sinon, c'est pas drôle. Oh putain, il y a quand même du monde. Ah ouais. Ah ouais. Pas mal de Gibodo, effectivement. Ah putain. Voilà, ça dégage. Hop. Ah, c'est vrai que je peux me servir de ça en vrai. Non, là, tu as un de moins. Ah ouais. Il y en a un paquet quand même. Ah là, ça dégage. Ah là, ça crame. Bon, je les tue pour clean un peu, les gars. Hein. Ah, ça dégage. Ah, c'est bien ça, les flèches. Voilà. C'est bon. Oh, on y voit tout de suite un peu plus clair. Ah, des ailes de guide d'eau. Oh, il y a quelques flèches, c'est pas mal. Je prends les quelques flèches, je prends. Je me suis pas healé en plus. Je me suis pas... Oh. Ah merde. Ah, attends. Babil. Ah, voilà. Alors, tac. Voyons voir ça. Cagoule de Tingle. Yay. Cette cagoule était portée avec amour par un homme convaincu d'être l'absolue réincarnation d'une fée. Il s'agit d'un tic difficile à se procurer. Et voilà, trésor de Lambda, les héroïnes. Yes, on a fini cette quête. Mais, vous vous en doutez, les gars. Eh oui, vous vous en doutez. On va essayer de choper... On va aller choper les deux autres morceaux. Donc, deux autres morceaux, pour le coup, on n'a aucun indice. Donc, du coup, je vais me faire aider, hein, vous le savez. Je vais me faire aider. Ah, par contre, là, j'essaye de trouver notre ami l'Elusis, mais j'avoue que là... Ah, il est là, putain. Il était bien planqué. Ah, l'attaque. Merci, Babil. Merci beaucoup, mon Srab. Alors. Ah, mais il est là. Ah, d'ailleurs, j'ai enlevé mon arc, c'est vrai. Oh bâtard. Putain. Il
Voilà. Bien haut, bien chiant, celui-là. Nice. Ok, Elusis, c'est fait. Bon, maintenant, du coup, direction, les gars, de trouver les deux. Donc ça, on peut l'enlever. La grotte, elle est faite. Parfait. Maintenant, les gars, il faut se diriger, du coup. J'ai placé des points. J'ai placé des points. Donc, du coup, il faut se diriger ici. Donc là, maintenant, étape 2, pour trouver le deuxième morceau, c'est dans une grotte. Dans une grotte, grotte des monts Géminé, donc une grotte que, a priori, nous n'avons pas fait. Enfin, c'est même sûr, en plus, vu qu'elle n'y est pas. Donc, grotte qu'on n'a pas fait, du coup. Du coup, il faut aller trouver cette grotte. Et, bah, normalement, a priori, une fois la grotte explorée, on devrait trouver sans peine le coffre. Non, en vrai, le coffre qui va me faire, je pense, un peu suer, c'est le troisième. Le troisième risque certainement de me faire un petit peu suer, honnêtement. Mais bon, on va voir. On va voir, on va voir. Hop, tac, c'est parti. C'est parti, donc. Les monts Géminés, j'arrive. Donc là, il faut trouver la grotte. L'entrée de la grotte. Donc ça, c'est toujours le plus... le plus drôle. Hein, j'ai envie de dire, parce que je sais pas. Est-ce qu'elle est en haut, en bas Je ne sais pas. Ah, apparemment, élément supérieur. Ah, déjà, ça, c'est bien. Si tu me donnes un indice comme ça, là. Déjà, si le jeu, tu me donnes un indice comme ça, là, tu me plais bien. J'avoue que là, là, tu me plais pas mal. Ok. Alors, grotte, apparemment, que ce serait encore au-dessus. À skip. Si je peux avoir le bonheur de... de la trouver suffisamment vite. Elusis à proximité. Enfin, quoique, après, c'est l'Elusis, hein, c'est pas la grotte, c'est vrai. C'est vrai que techniquement, c'est l'Elusis, pas la grotte. Donc l'Elusis peut être très bien en haut, mais la grotte en bas, quoi. Peut-être là, non? Non, je me suis fait avoir. Merde, je me suis fait avoir. Le trésor de Lambda. T'as donc un visage connu, comment as-tu? De mon côté, je suis toujours à la recherche du trésor de Lambda. Que nos chemins se croisent ainsi de nouveau, ça ne peut être que le fruit du hasard. Veux-tu cette fois que je te précise où seraient cachées les pièces du trésor Lambda? Oh oui. Tu m'en vois rien. Tu as une carte ou quelque chose? Ah vas-y. D'après ce qu'on m'a dit... un vêtement un peu dingue qui augmenterait la puissance de son porteur se trouverait par là. Ah ouais? Il y aurait par ici un vêtement cool qui protégerait son porteur de la foudre. Oh, ça c'est vraiment pas loin. Voilà ce que m'ont appris mes amis, adeptes de la mode de et baroudeur en quête de style. Je ne sais pas si ce genre de création correspond vraiment à ma sensibilité, mais si tu es du genre à braver le danger, ça pourrait être exactement ce qu'il te faut. En fait, serais-tu à tout hasard à la recherche des grandes fées? Je dirais que la plus proche d'ici est sans doute la grande fée Kotura. Tu devrais pouvoir la trouver près du relais des Géminés, pas loin d'ici, si les souvenirs sont bons. Si tu passes par là, je te conseille de lui rendre visite pour faire appel à ses services. Oh pardon, j'arrête pas de parler. C'est que j'ai rarement l'occasion de discuter mode en ce moment. Je vais continuer mon voyage à la recherche du trésor de Lambda. Bonne chance, et à une prochaine. Ah, elle m'a donné des infos sympas. Ça, tu vois, je savais pas. Je savais que cette waifu, j'allais la voir. Mais je ne savais pas qu'elle donnait des choses, mine de rien, des infos hyper intéressantes. Est-ce que lui, il m'en donne aussi? Le maître du combat en sous-vêtements. Oh, et ma tenue. J'ai intégré le groupe d'Arkoji, ouais. Alors, je suis reparti de zéro. Il paraît qu'il y a un petit quelque chose dans le coin. Ça devrait m'aider dans ce sens. C'est ça que je cherche. Disons que je suis le seul et unique membre du groupe à la recherche du style. Ah. Ouais, bon bah lui il m'a pas aidé par contre. Lui par contre, je le conçois, il m'a pas aidé. Il m'a pas aidé. Bon, a priori la grotte n'a pas l'air d'être en bas de ce que je vois. Donc la grotte devrait être en haut. Je suis pas sûr de moi, hein. Clairement. Que ça soit vraiment en haut, mais... c'est con, on peut pas utiliser... je peux pas utiliser Infiltration. Bien dommage, ça. Bien dommage. Hop.
Ah! Voilà. Bon, comment je vais monter cette montagne? Parce que en vrai, elle est plutôt chiante. Hein. Ah, je vais la monter grâce à ça. Hein. Parce que là... Un peu chiant. Un peu chiante, la montagne, je trouve. Le monde des Géminés, en vrai, c'est l'une des plus grandes montagnes. Donc, logique, hein, mais bon. Ok, bon, je suis revenu là où j'étais, du coup. Voilà, parfait. Bon, bah du coup, vous savez quoi? On va suivre... merde. On va suivre mon point bleu, hein. Que voulez-vous? J'avais placé un point bleu ici, exprès, parce que je me suis dit, ah vas-y, c'était... Je pense qu'il doit être plus de ce côté-là, mais bon. Ah, je suis pas certain, quoi, tu vois, c'est ça le truc. Je suis pas du tout certain. Ouais, non, là, là, la pente, là, les rêches. Elle est rêche de ouf, la pente. Il n'y a aucun moyen d'utiliser infiltration. Oh là là. Que c'est horrible. Que c'est horrible. Par contre, là, si j'arrive à l'atteindre, ça... Ça me permettrait de... que mon Link se fasse une petite pause, hein, parce que j'avoue que c'est un peu chaud, là. Niveau endurance, c'est un petit peu chaud. Voilà. Parfait. Voilà, on est rodé d'attaque. Hop, 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 hop. Voilà. Ah! Putain. Putain, le bâtard. Parfait. J'ai pu rater un peu de... Un peu d'endurance, parce que là, putain... C'était un petit peu chaud, là. Voilà, c'est bon, ça passe. Ouais, voilà. Ok. Allez, on reprend l'escalade. Hop, tac, tac, tac. Allez, vas-y, là. Voilà, là, c'est bon. Ok. Alors... Alors, est-ce que il y a une grotte non loin? Ici, il n'y a pas l'air d'avoir de grotte, donc ça serait en haut alors encore. Putain, je... Ah si, elle est là! Oh, let's go les gars, elle est là. Parfait, pile dans le point où j'étais. Parfait. Alors, la grotte. C'est un... Wow! Parfait. Attends, quoi, c'est tout? Ah, c'est tout? Ah merde, c'est peut-être pas la... Ah merde, c'est peut-être pas la grotte. Ah... Ah merde! Ah non, attends, un leak. Ah! En haut! Et non, tu vas pas me bouffer! Et non! Ah! Ah, pas mal! Sympa! Ah, il faut que je déplace des cailloux pour les mettre dans la mandale. Ah merde, c'est où c'est où l'indice? Parce qu'il y a quoi? Il y a 1, 2... 3, 4 cailloux. Ah merde! Où est l'indice?
Ah. C'est vrai que ça m'arrange pas trop. Alors, je dirais un là. Peut-être un là, non? Et genre le dernier ici, non? Ah non, il en manque un. Ah. Ah, la barbe. Ah. Ah non, d'accord. Ah non, attends, il y en aurait un là. Alors apparemment, ce serait comme ça. Ah voilà, parfait. Yes! Yes! Let's go! Ah, bah voilà, le dessert, nickel. Et en plus, Uzi s'est chopé, donc c'est parfait. Le voilà, toujours dans ces hommes-là. Enfin, on dirait des hommes, je sais pas ce que vous en pensez. C'est stylé en vrai. Combinaison de Tingle. Cette combinaison était portée avec amour par un homme convaincu d'être l'absolue réincarnation d'une fée. Ok, yes, on récupère la combinaison. Vous voyez, on est déjà à 15 minutes, c'est ouf comment c'est long, c'est merde. C'est incroyablement long. Les jumeaux... Ah! Ah, c'était cette quête-là! Ah, sérieux? Ah bah alors, du coup, les pirates, ça doit être ça, alors. Ah, oui. Ah bah, c'est bien, du coup. Ah bah, écoute. Ah bah, finalement, on fait pas qu'une quête, alors on en fait trois. Ah bah, c'est bien. Ah bah, ça me va. Ça me va très très bien. Bon, du coup, troisième quête. Bon, là, les gars, maintenant, là... Là, c'est maintenant que ça va être chaud. Vraiment, c'est maintenant que ça va être chaud, parce que là... là, ça va être chaud. Parce que ça me parle de... Apparemment, il faut un radeau, il y a une grotte qui est... Enfin, pas sous l'eau, mais qui est... Il y a la flotte. Donc, ça me plaît pas trop. D'ailleurs, my bad, apparemment, j'ai pris un mauvais TP. Apparemment... Ouais, apparemment, je peux me téléporter de la tour de Rabel. Apparemment, il faut que je me téléporte de cette tour. Bon. Bon, vas-y. Hein. Vous devez impérativement atterrir sur un banc de sable proche du point sur la carte ci-dessous. Ok. Ok. Bon, du coup, je dois atterrir sur la plage, du coup. Ça va. Eh ben, on va atterrir sur la plage. Hein. Allez, on va prendre le téléporteur de la tour. Ah, je vous avais dit hein, que ça allait être long, c'est dingue. Hein. C'est fou, hein, les quêtes de lambda, comment c'est long comme ça, là. Ah, en même temps, c'est vrai que c'est quand même aux quatre coins de la map, donc en vrai, on peut comprendre. Alors, voyons voir, voilà ça, parfait. Ouais, tu sais, notre sublime tenue, elle est très bien celle-là. Hein. Celle-là, qu'est-ce qu'elle est bien. Très très bien celle-là. Hop. Putain, on peut pas avoir un autre temps que cette flotte de merde. C'est peut-être trop demandé. Alors, un banc de sable pour fabriquer un radeau, du coup. Alors, apparemment, ici, il y aura un radeau. Ah bah oui. Ok. Hop, bien. Voyons voir ce qu'on peut faire de beau, du coup. Hop, je me remets en normal. Voilà, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Un radeau. Attends. Dans Duplicata, j'ai quoi de beau avec le radeau? Radeau de la foudre. Radeau de la foudre? Radeau des sables. Ah non. Ah non, nous, il nous faut un radeau classique. C'est quoi un radeau de la foudre, en vrai? Ah! Ah oui, je vois.
Ouais, effectivement. Bah, en fait, c'est con, c'est que c'est quasi ça, mais j'ai pas besoin d'un radeau de la foudre, quoi. Moi, il me faudra un radeau classique, tu vois. Faudra un radeau classique. Genre ça, non? Ouais, ça me convient très bien, ça. Hop. Voilà, impeccable. Voilà, ça va largement suffire, je pense. Oh ouais, ça va me suffire. Je pense, en plus, ça a l'air d'être bien maniable et tout, en plus. Je me le suis gardé en fave, c'est que ça doit être très bien maniable. Ah, je coule. Pourquoi je coule? Et wesh, pourquoi je coule? Mais sa mère! Ta grande tante! Ah d'accord, faut que je me tiens comme ça. Pourquoi je coule sans déconner? Je suis trop lourd? Merde. Ah, finalement, pas si maniable ce radeau. Hein. Pas si ouf! Ah, voilà, elle est là. C'est cette grotte-là. Oh, elle est énorme en vrai, putain. Elle est immense, frère. C'est quoi cette grotte? Ouais, c'est elle. Grotte du Cap Tudor. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui... Nani? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faire un radeau, longer, ensuite vous dirigez à la grotte. Devant la paroi, utilisez le sifflement. Flèche du bas. Ah ouais? Il faut utiliser le sifflement pour que ça... D'accord. J'aurais jamais trouvé, hein. J'aurais tellement jamais trouvé. J'utilise jamais le sifflement, c'est une dinguerie. J'aurais tellement jamais trouvé. Oh. Bon alors là les gars, vous voyez, il faut utiliser le sifflement du coup. Voilà. Si vous avez une manette Switch Pro, si jamais vous savez pas comment... Ah putain, squelette de ces morts là. Si jamais vous savez pas comment le sifflement l'utilise, c'est comme ça. Si vous avez une manette Switch Pro, c'est là. C'est la touche directionnelle du bas. Pour par contre, pour les Joy-Con, je crois aussi que c'est la... C'est la flèche du bas, si j'ai pas de bêtises. Ah merde, y a pas de coffre ici. Ah merde. Ah mais je crois qu'il est dans le bateau pirate. Je crois que c'est ça, l'entourloupe. Il me semble qu'il est dans le bateau pirate. Let's go. Bon, pas ouf, hein, mon radeau. Hein. Je suis... Franchement, je suis déçu. Je m'attendais à mieux. Vas-y, putain, j'ai galéré. Ah! Ça dégage! Wesh! Voilà, bon bah rip mon épée, c'est pas grave. Hop! Casse couille cela. C'est bon? Voilà. Beaucoup de caisses en vrai. Beaucoup de caisses, du coup, beaucoup de dingueries. C'est ça le truc? Ah bah ouais, c'est ça. Chose de Tingle. Ah voilà, ces choses étaient portées avec amour par un homme convaincu d'être l'absolue réincarnation d'une fée. Yes. Et ben voilà. Les pirates. Ah ouais, c'était ça. Ah ouais. Ah ouais, c'était ça. Parfait. Et ben voilà, les gars, nous avons la tenue complète de Tingle. Bon, elle est dégueulasse, hein, pour le coup, j'aime pas du tout. Ça lui va, mais alors, absolument pas à Link, je trouve. Surtout à ce Link là. Ça lui va absolument pas, mais bon. Voilà. Ah, tiens, il y a plein de flèches là. Attends, je vais me refaire là pour la fin là. Pour la fin de la vidéo là, c'est banger. Comment je peux faire pour péter ça rapidement? Ah non, ça c'est qu'une main. Lame rémigée. Il me faudrait une arme à deux mains. Ah, mais attends.
Ah bah là, il y a un espadon, parfait. Ah là, c'est ça qu'on veut. Voilà, parce qu'on va péter ça, parce que là, il y a pas mal de flèches à se faire, les gars. Ah ouais, c'est bien banger, là, pour le coup. On va regarder aussi si... Ah ouais, non mais attends, on est... Ah oui, c'est une grotte. Ah putain, c'est vrai, il y a un élusis, normalement. Je l'ai pas vu, il est où, ce con? Ah, il faut aller le trouver, les gars. Il y a pas le choix. Ah oui, c'est vrai. Attends, juste, je me refais, là, en flèche. Voilà. Oh, merci. Oh, les flèches. Oh, les bengous en flèche, là. Oh là là. Je suis à combien, sans déconner? 64. Oh là là, magnifique. Oh, il m'a refait en flèche, ce con. Incroyable. Trop bien ce truc. Alors, maintenant, l'élusis. On va regarder, les gars. Ah, bah, il y a un coffre. C'est quoi, dans ce coffre? Ah ouais! Un arc du dieu bestial. Oh. Oh. Magnifique. Belle pièce. Un arc de Linel. Incroyable. Putain, ils avaient ça. Ils avaient une telle pièce dans leur truc. C'est dingue. Apparemment, il serait par là, le truc. Par contre, là, je vois absolument rien. Je suis désolé, hein, mais je vois que dalle. Je vois que dalle. Merde. Je suis pas sûr de comprendre. Je vois pas de... Merde. Putain, je vais couler, les gars. Ah ouais. Là, malheureusement... Malheureusement, les gars, là, je vais couler, je pense. C'est bizarre, parce que c'est pile ici. Ah merde. Ah ouais, non, ça glisse aussi. Oh. On va pas être copains, hein. Il n'y a rien ici. C'est ça, je comprends pas, en fait. Il y a que dalle. Il est où, cet Elusis? Oh, lui, il m'a l'air bien planqué, cet Elusis. Je l'aurais bien vu à l'intérieur du truc, mais à l'intérieur du bateau, mais je crois pas qu'il y ait un intérieur, justement. Ça marche, juste de faire ça? Ah ouais, ça marche. Ah, il est là-bas, les gars. Ah, j'ai compris. Il est là-bas. Il faut que je reprenne mon radeau. Il faut que je reprenne mon radeau. Où est mon radeau? Ah, il est là. Parfait. Faut que je reprenne mon radeau. Qui pue la merde, certes, mais radeau quand même. Allez, vas-y. Ah! Ah, vas-y. Oui, parfait. T'es le goth que tu penses être. Nice. Ah putain, il y a un vieux coffre à la con, là. Ah, il est là! Putain! Ah là là. D'ailleurs, si je peux récupérer les deux flèches. Voilà, putain, le cristal, nice. Voilà, parfait, le cristal. Bah, finalement, c'était pas si horrible, hein, à aller le récupérer, au final. Faut juste connaître. Faut juste connaître. Bah, du coup, j'ai récupéré deux trucs du trésor de lambda. 2x du trésor de lambda, c'est intéressant. En plus, c'est marrant, parce qu'il y en a un juste à côté, c'est drôle. Tous les coups, c'est une grotte que j'ai pas faite. Je vois que ça, hein. Ça doit être forcément une grotte que j'ai pas faite. Bah, c'est pas grave, je vais me téléporter là, et comme ça, prochain épisode, on fera ça, les gars. Hein. Parce que là, voilà, vous voyez, hein, c'est déjà 30 minutes, c'est dingue, hein, ça passe trop vite. Les trésors de lambda, c'est... Putain, on dirait que c'est court, tu vois. Mais en fait, qu'est-ce que c'est long?
Qu'est-ce que c'est long au final. Mais bon, au moins c'est fait. Ah, c'est drôle ça, qu'il y a un travers de lambda à l'eau. Ouais, bah c'est ça en fait, c'est qu'il y a une grotte. Ah bah oui. Bon, regarde. Ah, pile là, la grotte. Pile ici. Bon, bah parfait. Parfait, bah écoutez, on va s'arrêter là. Bon, bah voilà les gars, bah écoutez, on va s'arrêter là, j'espère que ça vous aura plu. Cet épisode, si ça vous a plu, n'hésitez pas, le petit j'aime, le petit abonnement, le petit commentaire, ça serait super plaisir. Et n'hésitez pas aussi à venir follow Twitch et TikTok, on stream tous les vendredis et samedis, n'hésitez pas. Allez, ciao les gars, bye tout le monde. Ciao, ciao.